Bonjour and welcome back to the channel. I am glad you are here to join us on this French reading journey. This is the third episode. Through these videos, we will work together to boost your comprehension skill and make you more comfortable reading out loud. I will read a French text out loud twice, once at a natural pace and again slowly and clearly. The text will be accessible on my website along with English translations so you can follow along. Through these readings, we'll work on pronunciation, intonation, rhythm and more. My goal is to make you feel comfortable reading French out loud and boost your confidence. So, let's start. La fête d'Halloween. La fête d'Halloween. Le mois d'octobre est arrivé. Le mois d'octobre est arrivé. Les feuilles des arbres deviennent oranges, les feuilles des arbres deviennent oranges, jaunes et marron, jaunes et marron. Il commence à faire froid, il commence à faire froid. C'est l'automne, c'est l'automne. Et l'automne annonce une fête amusante. Et l'automne annonce une fête amusante. Halloween. Halloween tombe chaque année le 31 octobre. Halloween tombe chaque année le 31 octobre. C'est une fête qui vient des pays anglophones, c'est une fête qui vient des pays anglophones comme les États-Unis, le Canada ou l'Irlande, comme les États-Unis, le Canada ou l'Irlande en France, est de plus en plus célébré par les enfants. En France, Halloween est de plus en plus célébré par les enfants. Ils adorent se déguiser et récolter des bonbons. Elles adorent se déguiser et récolter des bonbons. Avant Halloween, les magasins vendent des citrouilles. Avant Halloween, les magasins vendent des citrouilles. Les enfants les ramènent à la maison. Les enfants les ramènent à la maison et les sculptent pour faire des lanternes et les sculptes pour faire des lanternes. Il découpe des visages effrayants avec des yeux, elle découpe des visages effrayants avec des yeux, un nez et une bouche remplie de dents pointues, un nez. Et une bouche remplie de dents pointues. Ils mettent une bougie à l'intérieur et posent leur citrouille illuminée devant leur porte. Elles mettent une bougie à l'intérieur et posent leur citrouille illuminée devant leur porte. Le soir du 31 octobre le soir du 31 octobre les enfants enfilent leurs costumes les enfants enfilent leurs costumes ils se déguisent en monstre ils se déguisent en monstre en sorcier en vampire ou en fantôme en sorcier en vampire ou en fantôme certains se maquillent avec du faux sang pour faire encore plus peur certains se maquillent avec du faux sang pour faire encore plus peur puis ils partent dans les rues sombres en criant. Puis ils partent dans les rues sombres en criant. Des bonbons ou un sort. Des bonbons ou un sort. Et récolte pleine de friandises. Et récolte pleine de friandises. Les maisons sont décorées avec des toiles d'araignée. Les maisons sont décorées avec des toiles d'araignée, des squelettes et des chauves-souris en plastique, des squelettes et des chauves-souris en plastique. Certaines personnes organisent des fêtes costumées. Certaines personnes organise des fêtes costumées on mange des gâteaux en forme de chaudron on mange des gâteaux en forme de chaudron des bonbons et on raconte des histoires qui font peur on mange des gâteaux en forme de chaudron des bonbons et on raconte des histoires qui font peur. Halloween est une fête amusante. Halloween est une fête amusante où l'on peut utiliser son imagination. Où l'on peut utiliser son imagination. Les enfants adorent se déguiser et avoir peur en s'amusant. Les enfants adorent se déguiser et avoir peur en s'amusant. C'est une nuit magique où tout devient possible. C'est une nuit magique où tout devient possible. La fête d'Halloween. Le mois d'octobre est arrivé. Les feuilles des arbres deviennent oranges, jaunes et marrons. Elle commence à faire froid. C'est l'automne. Et l'automne annonce une fête amusante, Halloween. Halloween tombe chaque année le 31 octobre. C'est une fête qui vient des pays anglophones comme les États-Unis, le Canada ou l'Irlande. En France, Halloween est de plus en plus célébré par les enfants. Elles adorent se déguiser et récolter des bonbons. Avant Halloween, les magasins vendent des citrouilles. Les enfants les ramènent à la maison et les sculptent pour faire des lanternes. Elles découpent des visages effrayants avec des yeux, un nez et une bouche remplie de dents pointues. Elles mettent une bougie à l'intérieur et posent leurs citrouilles illuminées devant leur porte. Le soir du 31 octobre, les enfants enfilent leurs costumes. Elles se déguisent en monstres, en sorciers, en vampires ou en fantômes. Certains se maquillent avec du faux sang pour faire encore plus peur. Puis, elles partent dans les rues sombres en criant. Des bonbons ont un sort et récoltent plein de friandises. Les maisons sont décorées avec des toiles d'araignées, des squelettes et des chauves-souris en plastique. Certaines personnes organisent des fêtes costumées. On mange des gâteaux en forme du chaudron, des bonbons. Et on raconte des histoires qui font peur. Halloween est une fête amusante où l'on peut utiliser son imagination. Les enfants adorent se déguiser à avoir peur en s'amusant. C'est une nuit magique où tout devient possible. Please give this video a thumbs up if you like it and subscribe if you don't. See you in the next reading journey. À bientôt!